إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فذلك هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوان أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc alhamdulillah, on continue nos activités. Donc pour cette fois-ci, inchallah, on a concentré un week-end autour de la famille. Avant d'aller plus loin, s'il y a des sœurs qui veulent accéder à la grande salle, elles peuvent rentrer par l'entrée principale. Donc avant de présenter notre cher frère, j'ai quelques informations à vous donner. Donc le prochain événement, c'est demain après-midi, inchallah, on aura une autre conférence après Salat al-Asr. Ça sera donc qui aura pour thème une famille modèle à l'instar de la famille de Ali et de Abi Talib. Ensuite, le 8 et 9 mars, il y aura des autres interventions, inchallah. Ça sera des interventions qui porteront autour de la femme. Ça sera l'occasion de la journée de la femme. Et pour information, la mosquée cette année, Inch'Allah, va organiser un quart donc pour le congrès annuel, le rassemblement annuel des musulmans de France, au projet Inch'Allah. Pour plusieurs renseignements, on va y prendre contact, Inch'Allah, avec les membres du bureau. Donc, je vais passer à la présentation, Inch'Allah. Donc, notre frère qui s'appelle Reda Kadri. Il a 42 ans, il est originaire de Reda en Algérie. Il est diplômé de l'université de Nantes en littérature et civilisation arabe. Il est chercheur dans le vocabulaire coranique, dont le thème de la conférence de ce soir, les secrets de l'éducation des enfants en Arabie. Il est aussi professeur précurseur d'une nouvelle méthode dans l'enseignement de la langue arabe coranique. Ce programme s'appelle Al-Arab, donc tiré de la sourate Al-Arab. Il est aussi président de l'association pour la culture et la connaissance à Saint-Priest, dans le Rhône. Il est aussi imam et prêcheur de la grande mosquée de Saint-Priest dans le Rhône. Donc, sans plus attendre, avant de passer à la parole, donc, il y a une intervention de Jean-Marie Réja. Pour tous ceux qui ont des questions, notez sur un papier au nombre de dates, et après l'échange, on va passer à une série de questions-réponses. Voilà, pour environ une demi-heure, inch'Allah. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à votre frère, inch'Allah. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihi Allah fa huwa al-muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله وكفى وصلاه على من استطاع. وبارك الله فيكم على استدعائي في هذا المسجد الكبير بيت الله عز وجل. واشكر خاصه رئيس الجمعيه وكل المسؤولين، وادعو الله عز وجل ان يجازيهم خير الجزاء. أشكر كذلك يعني الإخوة على هذا الموضوع العظيم، موضوع التربية، لأنه إن أردنا أن نلخص مشكلتنا في هذه البلاد أو في كل البلاد، نستطيع أن نقول هي كلمة تربية. نبدأ إن شاء الله. الموضوع هو أسرار التربية في القرآن. عن الموضوع هو التربية، المصدر هو القرآن، والهدف وهو اكتشاف أسرار التربية. يعني استسمحوا لي لو كملت باللغة العربية فصحى فقط، لكي نشرح الوقت.
لذلك وضعنا ذلك أننا نتكلم قليلا باللغة العربية مع ذلك مترجم مسلم للغة الفرنسية لكن ما كانش معنى باش يستفيد من السؤال إن شاء الله. Alors, le sujet c'est les secrets de l'éducation dans le Coran. On a le sujet qui est l'éducation. Ils ont été envers moi, continuellement élevés, tout petits.
avant même sa naissance, il nous parle de lui quand il est au lion. Après, il nous parle quand il est enfant tout petit. Jusqu'à l'âge où il devient, comme on dit même pour nous, adolescent, mais je préfère l'appeler comme on va s'agir après, un jeune ou une jeune femme. Et après, on va voir sa jeune. Voyez, un de nos régimes, un de nos filles, un de nos filles, فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى واذا انتم اشينا انتم في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى et aussi quand vous utilisez des embryons dans le ventre de vos mères ne vantez pas vous-même votre pureté c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent dans cet âge, l'enfant surtout va apprendre par
où l'enfant essaie de s'affirmer.
Qu'est-ce qu'on pense par rapport à cette chose-là? Quel est ton avis sur cette chose-là? Siphilie les ordres directs. Tu veux qu'il va chez son oncle, tu ne dis pas directement, va chez ton oncle, tu dis, ça te dit d'aller chez ton oncle, qu'est-ce qu'on pense? Ce serait pas bien peut-être d'y aller chez ton oncle, vous verrez que la réaction, elle serait contraire par rapport à d'autres fessiers ou à musique. Dans sa bouche, il y aura toujours non à oui, ce qui fait bien sûr beaucoup de problèmes. وفي حاجة من نعطيه إحساس أنه وجد الجواب هو اللي وجد الجواب مش معنى لما يسأل السؤال quand il pose une question on va toujours lui donner le sentiment que c'est lui qui a trouvé la réponse c'est pas beaucoup de lui ça toujours ça lui donne le plaisir de dire tiens j'ai grandi maintenant il te pose la question qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille au lieu de dire c'est beau tu dis, mais ça ressemble à un liquide qui n'a pas de goût. Moi, je donne un exemple comme ça. Et là, il va dire, ah oui, c'est beau. Et là, il va avoir le sentiment que c'est lui qui a découvert cette chose-là. Croyez-moi que c'est quelque chose qui n'est pas très important. Au contraire, c'est très important. L'être humain, il est fait ainsi, surtout les adolescents. Quand ils ont le sentiment que c'est eux-mêmes qui ont compris quelque chose, qui ont découvert quelque chose, ils y vont avec volonté. Pas comme si quelqu'un leur a imposé cette chose-là. Il faut essayer de comprendre ça, jouer avec. D'où ça vient du feu? Ça vient du feu de toi. Allah Azza wa Jalla dit, fait Ibrahim Jalil à l'Islam Hussein, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي مَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبتي فعل الله ستجده إن شاء الله نفسه. Quand Seyyidina Ibrahim عليه الصلاة والسلام il a reçu l'ordre de sacrifier son fils, est-ce qu'il a mis la foi et l'écoute? Allah a décidé que je vais sacrifier, viens. Non, il a dit. Puis quand celui-ci fut dans l'âge de l'accompagner, Abraham dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Vous imaginez, dans un ordre direct, Allah Azza wa Jalla, un prophète dit à son fils, qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas une invitation pour lui, si, c'est une grande éducation. Alors si on veut sortir de là, une chose c'est arrêtons, fais, ne fais pas. Allons surtout vers qu'est-ce que tu en penses? Où veux-tu faire ça? C'est mieux, ça marche mieux avec le physique. Faites les fâches, il fait un. Puis fâches de l'étagère. Waouh, c'est différent du noir. L'étagère de la vie, c'est un questionnement sur l'expérience, la besoin d'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est un questionnement de, du concret. S'il est fait un, il y a bien des questions. Eh bien, il y a bien ici. Alors, dans ce cas-là, faisons très attention. Puisque souvent les enfants, cet âge-là, ils veulent essayer, et simplement essayer, sans bien calculer les risques, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour ce cas? Fait on doit le guider vers une vraie expérience, ne soit pas la même expérience qu'il a choisie, et lui. Quels sont les outils pour faire ça? الشيء معروف في الاجتماع هي من أين متى كيف كم ولماذا كم هو الجديد أن تعرفه شو معنى الإنسان on utilise déjà les questions qui sont très évidentes qui sont connues qui fait quoi où quand comment combien et pourquoi un enfant qui vient te dire j'ai envie de sortir avec mes amis le soir. Certains peuvent réagir très mal à ça. Eh bien, c'est très simple. Dis-lui déjà, tu fais tout seul ou accompagné? Je fais accompagné. Peux-tu me dire s'il te plaît avec toi? Parce que c'est un événement. Vous allez partir où? Dans tel lieu. Quand vous allez partir?
Mais pourquoi tu fais ça? Et là, l'enfant, il se retrouve dans son problème de questionnement. Il fait l'air pour aller laisser les frères. Et là, quand je me dis, puisqu'il m'a bien le moment, il va dire oui, moi je pars à la frère, je fais ça pour telle raison, et je le fais, et ça va monter ça, ou je vais perdre ça. Et finalement, vous êtes. Une communication avec la base. Comme je donne toujours l'exemple, je me dis, c'est quoi
c'est tout immense dans la vie pour le bien. Et crois à la vie future, pas simplement croire, youkino, certitude du jour dernier. Cela sont ceux-là dans le foi, de par la volonté de nos sœurs. Savoir qui a décidé que c'est ce genre d'humains qui sont sur leur enfant, et justement, toute personne qui est des enfants, elle soit fait ce que son enfant soit sur leur bon enfant. Il a dit ça, maintenant, pour un certain d'elle et ma mère, pour qu'il ne fasse pas d'elle et mon fils et mes mères. Il y a sa religion, il a gagné. C'est une relation permanente avec Allah, pas simplement la salade qu'on fait chez nous, plus une dépense permanente dans la voie d'avantage. La dépense du temps, c'est une dépense. La dépense du sommeil, c'est une dépense. La dépense d'argent, c'est une dépense. C'est une dépense permanente. Et cela nous amène à y arriver. Tout ça vient là, pour les Arabes. Remarquez que dans la sagesse de Yahoo, il y a un dit, Romarate. Il y a deux fois, nous prenons personnel, Rom. Donc quand il parle de Yahoo, il y a trop de dans la sagesse. Amen. C'est la dernière et la mineure. Comme la sagesse nous explique, une relation permanente avec un homme te garantit une chose extraordinaire. Tu vas sentir. Quand il t'envoie des signes, c'est ça. Tu vas sentir que quand il t'envoie ce signe, et là, la certitude, l'humain, il est là-dedans. Tu le sens. La deuxième chose, c'est quand tu donnes, quand tu dépenses ton temps. N'oublie pas qu'on va s'enjeu de la vie. Simplement des mouvements. Et après, on va
Achat. Et dès que nous lui envoyons de l'eau du ciel, elle s'arrive et pousse. Et ce verset-là va nous aider de comprendre ses propres choix. Vous imaginez la petite graine qui est dans la terre, il y a mal de lui, elle ne pousse pas, elle ne bouge pas. Par contre, avant de dire une image extraordinaire, il nous dit qu'elle est là en train d'apprendre de l'eau du ciel. Dès que le temps. Les
Les richesses et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bons œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense. Sans oublier les domiciliens, qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autre. C'est logique. Lui-même. Lorsqu'un, si quelqu'un était jugé par rapport au comportement de ses enfants, c'est une nouvelle présence. Il pouvait être jugé par rapport à son enfant qui était Kevin, qui n'a pas monté avec lui dans le vaisseau. Non. Chacun est responsable de ses actes. Toi, tu fais ce que tu peux. Si l'enfant n'a pas suivi la voie, toi, tu es comme un messager. Tu as transmis le message. Tu l'as averti. Tu l'as montré dans l'amour. Tu as fait tout ce que tu as fait. Tu ne peux pas changer le monde. Et alors, justement, il nous donne des exemples très concrets. Il nous donne des enfants de prophètes, des femmes de prophètes, des maris de femmes pieuses qui sont égarées. Il ne faut pas trop prendre sur le cœur. Vous savez pourquoi je vous dis ça? C'est des fois, à force d'être en détresse par rapport à la situation de nos enfants, on commence à casser ou à détruire plus de mensonges. On dirait qu'on est responsable et on commence à sombrer.
الله سماها موعظة ليس بعنف وإنما بلطف. والموعظة قال الخليل هو التفكير بالخير وما يرق له القلب. في القاعدة العظيمة حسسوا أنه هو الربح. ما معنى الضعف؟ Si la traduction est bonne, attention, parce que les mots en arabe en général sont mal traduits en français. En arabe, on a dit au verset que le Rhumain est cité dans la série avec son fils, avec une mort et mort, qui est simplement s'adresser à lui avec des mots qui laissent son esprit s'attendrir ou qui soit perceptible en fait, après à tout ce qu'on lui a dit. Et surtout, une chose qui est capitale, qui va pour les enfants, comme elle va aussi pour les affaires, quand tu veux convaincre quelqu'un, il faut toujours le faire comprendre que c'est lui le gagnant, c'est pas toi. Justement, c'est si potentiel, ce principe-là. Hein, les commerciaux peuvent connaître ça. Hein, en commerce, on étudie ça, et si tu veux faire une affaire, il faut toujours le client à le sentiment que c'est lui le gagnant, c'est pas toi. C'est comme ça qu'on est. Et là, avec les enfants, c'est la même chose. Souvent, on donne des ordres aux enfants et on leur donne le sentiment qu'ils font ça pour nous. Qu'ils font ces choses-là pour nous. Fais ça pour moi. Même si on ne le dit pas, il a le son. Et justement, ça crée des fois un certain blocage ou l'incompréhension de l'enfant pour réaliser cette chose-là. فكثيرا ما نرى حواجز وجبال بيننا وبين أبنائنا. سمعوا مني كم بعض. ألو إما جنبي نعم هي ضد الضعف. زود سد بعض يسمع بدوني نسمع سيري كان يسمع. Justement là, pour ça il y a ce verset que je viens de citer dans Sourate Al-Rumman qui dit on a chacun de travailler le ciel. Celui qui remercie, c'est pour lui. Quand tu parles à ton enfant, tu dois lui dire, écoute, c'est pour ton bien. Moi, je suis déjà passé par là, j'ai déjà fini ce stade, mais moi, si je te dis ça, ou je te demande de faire ça, c'est pour toi, même s'il a 5 ans, enfant. Il faut toujours traiter avec eux de cette façon. Alors, imaginons quelque chose, malheureusement, qui arrive beaucoup, surtout dans notre communauté, de traiter les enfants à demain. Ou de lui dire, de le diminuer de sa valeur, qu'il ne vaut rien. Ou quelque chose qu'on oublie souvent. Lui dire, ne fais pas ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Attention, c'est pas bon ça. Pourquoi? Et les suites, c'est que veulent les gens. Tu peux parler à quelqu'un, il va comprendre autre chose.
pas donné la permission de lui dire des choses. Mais s'il n'accepte pas déjà, alors l'enfant, il doit déjà accepter que je lui parle. Sinon, comme on dit souvent, on dirait que je parle dans le vent d'Ali, on dirait que je parle dans le vent. Souvent, il n'a pas ouvert l'oreille de l'enfant. Et cette oreille sourde, une oreille en parole, bien calculée, bien dosée. Vous savez, je donne une technique familiale qui marche. La précipitation nous fait rentrer dans le jeu, je ne sais pas. C'est-à-dire, quand tu fais les choses rapidement pour parler à tes enfants, c'est là où je ne suis pas en de faire des choses que tu ne voulais pas dire, des règles de questions. Quand tu veux demander quelque chose, essaye de penser et dire comment je vais dire cette chose-là avant de la dire. Même pas 10 secondes, ça suffit pour changer le comportement de nos enfants. J'allais lui dire, t'as pas le droit de sortir, je peux vite et sans faire attention, reste ici, ne sors pas. Alors si je prends un petit peu de temps, je lui dis autre chose, et laissez l'imagination travailler pendant ces moments-là. C'est un travail à long terme, mais on doit le faire justement pour l'intérêt, il nous éduque. Troisième chose très importante qui bloque les enfants souvent, j'ai des familles qui viennent me voir par rapport à l'enfant qui a fugué. Et la maman, la mère pleurent et disent, on n'a jamais imaginé ça. Et pourquoi on l'a fait? On n'a jamais compris pourquoi on l'a fait. Parce que souvent, on croit que l'enfant est né contre amour, mais il est en train d'éduquer autre chose, puisqu'on n'arrive pas à lui transmettre ça. Et justement, la chose, la troisième chose très importante, il faut différencier entre l'enfant comme personne et les agissements qu'il fait ou les choses qu'il fait, les choses qui sont variées. D'où ça vient là? Ça vient de Allah Azzawajal, qu'on se retrouve. Quand il dit à nous, qala ya Muhammad, innahu laysa min ahlik, innahu 'amalun ghayru salih. Si l'enfant, il n'a pas voulu monter dans le bateau, dans le vaisseau, alors que Nuh, il a dit à son fils, si tu ne montes pas, tu vas en faire très bien. Malgré ça, Allah lui a dit, tu n'as pas dit que ton enfant n'est pas bien, il lui a dit que ce qu'il a fait n'est pas bien. Il lui a pas dit ce qu'il a fait n'est pas bien. Si on veut faire la traduction directe, il lui a dit, c'est un mauvais acte en parlant de son fils. Alors justement, il faut toujours faire la différence. Souvent, on ne fait pas la différence quand on traite avec nos enfants par rapport à ça. Souvent, quand il fait une bêtise, on lui montre qu'il est un chien de un diable. Et là, ça le démoralise. Et le contraire, puisqu'on est une séma, on va le convaincre plus que les autres. Et il va rentrer dans un cercle de sous-estimation grave qui va le laisser toujours. Il va pas céder. Alors quand il fait une bêtise, on lui dit, ta bêtise est mort. Ce que tu as fait de ma vie. Par contre, toi, tu es toujours mon fils, je t'aime et j'ai confiance en toi. Par contre, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Attention, c'est ce que je suis dit, il y a beaucoup de mais, Allah Azzawajal nous montre le chemin. À travers le problème, on doit étudier. Le terme d'Alpha, la tarbiya, on commence en éducation elle-même. Malgré qu'on en ait deux, mais c'est juste. Même ou la roue, même ou c'est au bout de la roue, mais enfin, quelles sont les choses? Sur ce bas, ça va gêner, un comme dans notre cœur, le chemin de l'État de la vie, que la
Vous savez, ça empêche une mauvaise fréquentation mentale. Même quand ils fréquentent, quand ils voient beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui fréquentent, qui sont loin des autres Allah, loin du Coran, loin des personnes de l'islam, loin de ce que a mis les prophètes, les messagers, il va lui-même, surtout si on sait que le reste, s'éloigner de tout cela. Voilà. Ça va à ça. Instant au manger, tu aimes ça? Oui, c'est très bon, papa. C'est très bon, maman. Qui t'a donné ça? Allah. Et on verra tout à l'heure. Bon, on ne va pas le faire aujourd'hui. Que pour lui dire, viens faire la prière, au lieu de lui dire, viens faire la prière, et en général, il n'a pas trop envie, tu lui dis, il te manque pas? Tu n'as pas envie de lui parler? Au début, l'enfant, il a cette réaction, qui? Tu dis, Allah. Viens, viens à sa rencontre. Ça change tout, la façon de dire les choses. Ça change tout. Et justement, la deuxième, l'wasiyya thaniya, irbithu bil asl wa laysa bima huwa za'il. C'est-à-dire, laisse-le s'attacher au vrai. Vous savez, c'est quoi le vrai? Est-ce que c'est cette vie? Non. Cette vie n'est qu'un moyen pour aller à l'éternité. On peut être riche dans cette vie. Le contraire, c'est bien d'être riche. Mais que tout l'argent qu'on a soit destiné aux bonnes œuvres, soit destiné à la construction de demain, la construction de l'éternité. C'est bien le pouvoir. Il est très bien le pouvoir. Surtout, il faut le chercher, le pouvoir, justement, pour être plus fort, pour imposer ce qu'Allah Azzawajal voulait que ça s'impose sur cette terre. Il ne faut jamais dire à l'enfant, tiens, étudie pour que tu sois médecin, que tu sois riche. Vous savez, on le fait sans faire attention. Et là, on est en train d'accrocher l'enfant sans le vouloir à l'argent, alors qu'on doit tisser des liens entre lui et Allah Azzawajal. Au lieu de lui dire, sois, étudie pour être un médecin, pour gagner beaucoup d'argent, on lui dit, étudie pour être médecin, comme ça, tu auras une vie aisée qui va te permettre de gagner beaucoup de hasanat, qui est la monnaie du jour dernier. Il faut parler avec les enfants avec leur langage. Beaucoup d'exemples dans ce domaine. فَمَنْ كَانَ وِجْهَتَهُ اللَّهُ نَالَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ألا يكون لك يعني واحد ما يتمناش يكون عنده ابن مثل إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Il avait son fils. Il lui dit, viens, je vais t'immoler. Il lui a dit, aucun problème, papa. Et je finis là. Un petit rappel par rapport à tout à l'heure. On a dit que le but de l'éducation c'est insha muhsin. Bien sûr, ça c'est le but final. Mais ce n'est pas tout le monde qui va y arriver, ça c'est sûr, c'est logique, c'est sous-entendu. Simplement, il faut viser loin pour au moins arriver à un stade, inshallah, reconnu par Allah Azzawajal. Ou, nas'Allah Azzawajal, inshallah, an yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Et vous avez la place, inshallah, pour des questions, pour des interventions. Alors, la première question, c'est, je voudrais savoir comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons interprétaient ces secrets.
faut savoir que le Coran, le Karim, le Coran, qui est la parole d'Allah Azzawajal, qu'il a envoyée pour tous les humains, c'est une parole qui est valable pour toute époque et pour tout type de gens. Wallahu Azzawajal yaqul kitabun mubarak. C'est quoi mubarak? Min al-baraka. Intarissable. Ces secrets ne finissent jamais. Certes, je pouvais venir ici et faire les exégèses qui étaient dites à 3 siècles après, puisque ça a commencé à peu près 3 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tout le monde peut consulter, bien sûr, aisément chez lui. Mais c'est surtout rassembler tout ça dans quelque chose de pratique qu'on peut l'appliquer dans notre monde à nous. Eux, ils ont bien compris ce Coran. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était un Coran qui marchait. Eux, ils ont fait leur travail. Reste à nous. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas autour du Coran? Peut-être il y a des cadenas au-dessus de leur cœur. Le cœur dans le Coran, c'est le cerveau, hein, c'est le lieu de réflexion. Ou quand Allah Azzawajal dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. On a facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un qui cherche ses trésors? Qui cherche à le comprendre un petit peu? Justement, ceux, certains, bah ça c'est des... Certains qui veulent vraiment cadenasser le Coran, veulent qu'on se base simplement que sur les tafsirs qui sont très utiles pour comprendre, bien sûr, le Coran al-Karim. Et comme j'ai dit, pour répondre à cette question, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, de toute façon, ils ont compris le Coran de telle façon que, inshallah, ils ont réussi leur vie. Le reste, à nous maintenant. À nous d'essayer de comprendre ce Coran. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre des choses en plus, puisque le Coran va libérer ce secret jusqu'à la fin du temps. سؤال آخر عندي ابني عمره 11 سنة عندما أقول له لا تفعل هذا الشيء سبحان الله سيفعله وهذا سيجعلني غاضبة عليه ودائما أتكلم معه بحكمة لكن يسمعني مرة واحدة وباقي المرات يفعل ما يشاء الحل من فضلكم. Question, c'est une femme qui pose la question, elle a un enfant de 11 ans, il fait le contraire de ce qu'elle dit. C'est un cas qui est très connu. Et justement, j'ai entamé ça au début. Pourquoi il fait le contraire de ce qu'elle dit? C'était ça la question au départ. Simplement, puisque l'enfant, à cet âge-là, il a envie de se confirmer. Et attention, il y a la relation garçon-maman. Elle est très spéciale. L'enfant, il ne va pas oser rabaisser, hein, excusez-moi du terme, mais ça veut dire diminuer de la valeur de son papa. Il va essayer de le faire avec la maman. Et justement, il va la contredire tout le temps pour affirmer qu'il a grandi. Eh bien, le conseil que je donne à cette maman, c'est essayer de lui donner beaucoup d'importance à ce garçon et essayer de lui dire, c'est-à-dire donner des ordres autrement. C'est-à-dire le laisser croire que c'est lui qui a l'initiative de telle chose. C'est pas toi. C'est pas la maman. Sinon, il va résister. Mais bon, si ça peut vous rassurer, en général, ça ne dure pas longtemps cette résistance. J'espère que j'ai répondu. وبالنسبة لأي سن نحن لا نكون مسؤولين عنهم وكيف نحببهم الصلاة وجزاكم الله خيرا. Elle pose la question, jusqu'à quel âge on est responsable sur les enfants, jusqu'à leur indépendance. Ça dépend. Ça dépend de l'âge. Si vous avez... Des fois, le problème se pose autrement. Un enfant qui a 25 ans, qui est adulte, qui est responsable, on reste toujours responsable envers lui par le conseil. Et quand je parle de responsabilité tout à l'heure, c'est une responsabilité auprès d'Allah Azzawajal.
Ce n'est pas, tiens, moi je laisse tomber mon enfant à partir de l'âge de 18 ans. Non, 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 ce n'est pas ça ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit simplement qu'il faut qu'on sache que l'enfant, même s'il a 4 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, 25 ans, nous, en tant que parents, on a une obligation. C'est qu'on essaye de le protéger de la vie dans l'enfer, c'est-à-dire de tomber dans le mal. Mais si il ne veut pas, on n'est pas responsable. Nous, on fait ce qu'on peut. Allah Azza wa Jal nous aide. سؤال يقول إذا لم نستطع تربية أبنائنا تربية إسلامية في الغربة فماذا علينا العمل وشكرا. Si on n'arrive pas à éduquer nos enfants une bonne éducation, puisqu'elle a utilisé tarbiya islamia, l'éducation islamique, moi personnellement, ce terme-là, ça pose problème. On parle de tarbiya dans le sens large, puisque le tarbiya, la bonne tarbiya, elle est obligée islamia, c'est-à-dire qu'il ne se réfère que ce qu'a dit Allah Azza wa Jal. Si on n'arrive pas à éduquer nos enfants, par exemple dans un pays qui n'est pas de majorité musulmane, qu'est-ce qu'on fait? La réponse à cette question ne se pose pas par rapport aux enfants simplement. Se pose par rapport à nous et toute chose qu'on fait dans notre vie. C'est très simple. Dans cette vie, on peut être un des deux. Ou on est dans la construction, ou on est dans la destruction. Sahoulala. Ben oui. Ou on est dans la construction, ou on est dans la destruction. Wallah Azza wa Jal, لم ينزل الكتاب فقط. Il n'a pas envoyé le livre simplement. أنزل الكتاب والميزان. الكتاب والميزان, la balance. Si on voit dans un endroit, même si c'est un pays, entre parenthèses musulman, si on voit qu'on est en train de détruire plus de construire, Allah Azza wa Jal nous invite à changer de lieu. Tu ne vas pas rester toute ta vie en train de détruire quand même. C'est ça la cause, hein. Attention. C'est la cause, c'est le lieu d'habitation. Alors si on constate qu'on est dans un lieu, que ce soit un pays à majorité musulmane ou non musulmane, et qu'on est dans la construction, eh bien pourquoi changer? On a une mission à accomplir jusqu'à notre mort. Par contre, si on ne peut plus rien faire, on voyage. D'où ça vient ça? Ça vient de sunna de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait plus construire à la Mecque, il l'a quitté vers Médine. Par contre, avant, il a subi plein de choses. Vous croyez que c'était facile la vie à la Mecque? Vous savez que les gens faisaient le pèlerinage tout nu autour de la Kaaba et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière à côté. On le sait tous. Et ils ont enduré et resté un moment, puisqu'ils avaient une mission aussi envers les gens qui sont autour d'eux. Justement, il faut la peser dans ce sens-là. Hein? Pas la peser simplement en se référant à tout ce qui existe autour de nous. On peut avoir des enfants qui sont éduqués, élevés dans des pays non musulmans, qui sont meilleurs d'enfants, qui sont élevés, éduqués dans d'autres pays qui sont musulmans. Pourquoi? Parce que souvent, nous, on se réfère simplement par rapport à certaines pratiques qui sont certes importantes, mais on ne se réfère pas par rapport à l'éducation, par rapport à le bon comportement, par rapport aux moyens qu'on a pour protéger nos enfants. Des fois, moi, je connais certains pays musulmans où tu n'as pas la main sur ton fils. Il peut aller très loin sans même que tu te rendes compte. Il est en train d'apprendre des mauvaises choses, des mauvais gestes, la paresse, etc. Alors que dans d'autres pays, il est en train d'apprendre à être meilleur, à étudier, à avancer, à faire du bien. Wallahu a'lam. Comment gérer ça?
Justement, là c'est un sujet très concret. Nos enfants, ben, je vais donner l'exemple. Mon enfant, il revient la dernière fois. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il m'a dit, on a étudié les divinités grecques. Ah oui, tu as étudié les divinités grecques? Viens, viens, moi je ne les connais pas, mon fils, viens me les montrer. Je vous donne juste un petit exemple. Hein. Et il me montre. Voilà, ça c'est le dieu tel, ça c'est le dieu tel, ça moi j'étais en train de le suivre, oui. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Il m'a dit, bien sûr, il n'y a que Allah. Je lui dis, non, qu'est-ce que tu en penses sérieusement? Dis-moi ce que tu as pensé quand tu as étudié ça. Il a regardé comme ça, il m'a dit, franchement, j'ai rien pensé. Je suis obligé de les apprendre. Je lui dis, si, c'est très bien de les apprendre. Il m'a dit, oui. Je lui dis, oui. C'est très bien d'apprendre qu'il y a des gens qui ont adoré d'autres divinités qu'Allah Azzawajal. Ça, c'est un exemple. Hein. Pourquoi? On doit connaître le mal pour l'éviter. Et un enfant éclairé, il est meilleur qu'un enfant non éclairé. Simplement, il faut les suivre. Ça nous demande plus d'efforts ici. Simplement, c'est ça. Ça nous demande plus d'efforts et plus d'accompagnement. Et surtout, insister sur le plus important, depuis l'âge de début. La sœur, elle a posé une question aussi là à la fin. Kayfa nuhabibuhum fi salat? Comment on leur fait aimer la salat? Déjà, je ne vais pas aller très loin dans cette réponse. Déjà, il faut que nous-mêmes revenons aux sources, à la prière de Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam et comment elle était. Comment elle était sa prière? Lui qui faisait toute la prière, toute la nuit avec un seul verset. On n'est pas meilleur que lui. Hein? On peut faire la prière toute la nuit avec un seul verset pour le comprendre. Cette prière où on doit la comprendre de sorte qu'on ne doit pas être proche d'Allah. Ce n'est pas enseigner aux enfants la prière de simplement tu as 5 choses à faire par jour, viens, tu dois obliger. Mais non, il faut leur faire aimer la prière doucement. Mais ça doit commencer par nous-mêmes. Aimons la prière comme Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam l'aimait. Faisons la prière comme ses compagnons le faisaient. La vraie prière qui est citée dans le Coran. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Une prière qui nous laisse méditer, qui nous laisse, entre parenthèses, toujours je donne l'exemple du téléphone. إذا أردت أن أتصل, si je veux téléphoner à quelqu'un, je dois déverrouiller déjà le portable avant de composer le numéro et attendre la tonalité et après je parle. Hein? Ibn al-Qayyim disait, si tu veux parler à Allah, rentre dans la prière. Et si tu veux que Allah te parle, lis le Coran. Si on prend la prière dans ce sens-là, croyez-moi, les enfants vont l'aimer. Moi, j'ai fait un petit test avec mes enfants. Ils font la prière avec moi. Je les amène, ils font la prière avec moi. Bien sûr, ils vont entendre des choses qu'ils ne comprennent pas. À la fin de la prière, je leur relis les mêmes versets en français, je leur explique ces versets-là. Et là, ils commencent eux-mêmes à me demander, c'est quand qu'on fait la prière, puisqu'on fait la prière surrogatoire. C'est eux qui me demandent. Alors c'est quand? Pourquoi? Puisqu'ils aiment ce que je leur raconte. Pas simplement je lis textuellement. Je choisis déjà préalablement mes versets. En général, une petite histoire, un petit récit. Hein, c'est ça, c'est des choses. Et en plus, n'oubliez pas de demander à Allah Azza wa Jalla de l'aide. Et c'est le plus important. Inch'Allah. Alors, il y a un hadith attribué au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la question dit, comment on applique le hadith du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, مروهم بصلاة أبناء سبع وضربوهم عليها أبناء عشر. Hein? Ordonnez-leur de faire la prière à l'âge de 7 ans et frappez-les à l'âge وضربوهم à l'âge de 10 ans. J'ai deux remarques par rapport à ce hadith que je nie nullement السند, c'est-à-dire la chaîne de transmission. Simplement, il y a deux remarques. Il a dit أمروهم, ordonnez de faire la prière. Ça veut dire, avant cela, il n'y a pas d'ordre. On les incite à faire la prière. Hein? Ça, c'est déjà une chose. Ça ne veut pas dire qu'on doit attendre 7 ans
pour leur dire faites la prière. Commencez très très tôt à venir faire la prière, ça. Wadribouhum, et là c'est un grand sujet. Idribouhum, frappez-les. La question elle se pose autrement. Est-ce que le mot idribouhum, c'est la bonne traduction? Puisque le mot idrib, daraba, ne veut jamais dire nullement, ni dans le Coran, ni dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que ça veut dire frapper. Je vais vous expliquer. Dans le Coran al-Karim, le mot daraba, il est cité 53 fois. 53 fois. Dans tous les versets où le mot daraba, qui veut dire traduit par frapper, est cité, une seule fois, il veut dire frapper. Vous savez, c'est laquelle ? Fa'raga darban bil yamin. Quand il parle de Sayyidina Ibrahim, quand il a cassé les. N'am ? Ah, les statues, barakallahu fi, oui. Quand il a commencé à casser les statues. Par contre, il n'a pas cité le mot daraba tout seul. Bil yamin. Force. Alors que dans tous les autres versets, le mot daraba, il est cité un. Quand Allah il dit daraba mathalan, c'est-à-dire il a déployé une parabole. Il est cité dans Sayyidina Moussa quand wadrib bi'asak al-bahr. Vous croyez qu'il lui a dit frappe avec ton bâton la mer? Non. Déploie ton bâton vers la mer. Dresse. Il est cité aussi dans waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihin, que les femmes déploient leur tissu opaque, puisque khumurihinna, c'est-à-dire tissu opaque, du mot khamar. Khamar, c'est ce qui couvre la conscience. Et bien, khamar, c'est tout ce qui couvre d'une façon opaque. L'alcool, il couvre d'une façon opaque la conscience, alors on l'appelle khamar. Et khimar, c'est un tissu opaque, il doit être opaque, c'est pour ça que ça explique que le khimar de la femme, il ne doit pas être transparent, etc. Non, il doit être opaque, il ne montre rien. وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَا, c'est-à-dire elles déploient leur khimar sur leur poitrine. Et le verset qui dit وَضْرِبُهُنْ وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِ وَضْرِبُهُنْ. Ce verset-là, Allah dit, quand la femme veut prendre le dessus, et bien sûr, t'empêcher complètement à vivre une vie de couple et continuer à œuvrer, à éduquer les enfants, ça y est, la vie elle est infernale. Urjuruhunna fil madaja, ça veut dire quittez-les dans l'acte mu'ashara, mais restez dans le lit. C'est l'hajr, ça ne veut pas dire quitter le lit, aller dormir ailleurs. Non. C'est simplement ne pas avoir l'acte avec elle, pas coucher avec elle. Wadribuhun, déployez-vous d'une façon, c'est-à-dire, comment dirais-je, prenez les choses au sérieux, puisque c'est très grave ce qui se passe. Voilà une nouvelle explication de ce verset. Puisque aucune chose ne peut justifier qu'un humain frappe un humain. Il y a le divorce. Pourquoi la frapper? Il y a le divorce. Divorce et c'est tout. En tout cas, comme je vous ai dit, et ça c'est une étude qui est sérieuse, et je peux même faire une conférence au-dessus de ça, le mot daraba ne veut pas dire frapper. Le sens frapper, c'est un sens un petit peu moderne qui a commencé à partir du 3e siècle, après le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Comme le mot massa, etc. Il y a plein de mots, en tout cas, dans ce sujet-là, on aura l'occasion. Alors, pour les enfants, à l'âge de 10 ans, il faut être très ferme avec eux, par rapport à la salate. Il faut être très ferme et vraiment, déployons-nous pour les inciter à faire la prière de toute façon. Ça veut dire qu'il faut trouver une solution. Une solution pour qu'ils essayent de faire la prière et essayer surtout comprendre pourquoi ils font pas la prière. Wallahu a'lam. Alors la question, est-ce qu'on peut faire nafila avec le Coran entre les mains?
Moi, personnellement, je le fais puisque j'ai trouvé aucune interdiction par rapport à cela. Quand on n'a pas, c'est-à-dire, on n'apprend pas le Coran par cœur et on fait la prière surrogatoire, il est où le problème de prendre le Coran? Surtout, on le fait dans Salat Tarawih, si vous vous souvenez, le Ramadan. Tout le contraire, pour la prière de nuit, que c'est une prière, je dis, vraiment délaissée, alors que c'est une prière obligatoire, pratiquement, quand je dis obligatoire, ce n'est pas dans le sens obligation, mais elle était vraiment quelque chose qu'Allah Azzawajal a beaucoup insisté dessus. Pourquoi la prière de la nuit, elle est assistée? Assistée, elle nous donne plus de méditation autour du Coran, et on peut prendre, Inch'Allah, le Coran entre les mains. J'espère que je n'ai pas oublié de questions. Inch'Allah. Inch'Allah. Avant de conclure, Nahmadullah. Je remercie Allah Azzawajal qu'il m'a amené à cet endroit-là pour faire votre connaissance et pour être dans cette mosquée où nas'alullah Azzawajal an yaj'alana da'iman min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nas'aluhu ta'ala an yaj'alana min al-mu'minin المخلصين العابدين الحامدين في كل وقت وحين